Allez, ça tourne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au motocross. Là, vous avez vu l'intro, là ça commence bien. Première chute. Allez les gars, allez, ils vont redémarrer. On va aller voir après. Allez, un autre départ là. On va voir s'il y a une chute ou pas. Allez, chaud. Allez, encore un nouveau départ, ça doit être une autre catégorie. Allez, 5 secondes. Allez. Oh, ça se bagarre. Il y a du bruit, on se prend un peu de poussière dans la tête, mais c'est cool. Ça va Jojo? Ça va Jojo? Ouais, bien. Ouais, impeccable. Je prends la lentille, allume la caméra derrière, impeccable. Eh, vous loupez tout, hein. Monsieur Lilicasse, pas de problème. Sur YouTube, 5 étoiles sur YouTube. Allez, on met des pouces. Allez, je vais aller filmer le départ des 4-50. Voilà, le commentateur, là, il vient de dire qu'il y avait... Il y allait avoir un gros niveau dans la manche 4-50. Apparemment, il y a des stars dedans. Quoi. Ça va être chaud. Allez, on va filmer le départ et puis les premiers sauts sur la bosse. Vous allez me dire pourquoi du motocross sur les voyages d'Auguste? Et bah tout simplement parce que le motocross c'est aussi le monde du camping-car. Regardez, il y en a partout.
Ah, la moto. Terrible. Ah, oui, il y a de la belle moto, Et il y a du camping-car. Allez, je reviens cet après-midi pour les finales. Et voilà, de retour au terrain de cross après avoir mangé des bonnes pâtes. J'ai retrouvé mes collègues. Ah, il y a mon Jojo, il y a Randy qui est derrière, c'est cool. Il y a peut-être Pierrot qui va se pointer. Et là, je vais vous filmer les premiers sauts. Je crois que c'est une manche 125, je pense. Donc là, ça va sauter bien haut, bien fort. Allez, bientôt un nouveau départ, on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il va y avoir des chutes, ça fait le voyeur, le voyeurisme. Ça rigole à côté de ça. Allez, ça arrive. Allez, le saut du deuxième tour, on va voir. Yeah ! Là, il y a du monde qui arrive. Ça serait bien de voir une chute. C'est-à-dire que le rythme est Ah, ils sont chauds, bouillants. Chaud. Allez, il y a les petits qui sont là-bas. Je retourne la caméra, deux ans. Ah, là, il y a les petits. Ça va être rigolo, ça. Ils sont tout à fond quand même. Allez, ça se casse la gueule. Allez, ah, ça saute. Ah, je l'ai loupé. Allez, du coup, ça va être la deuxième course des petits. Allez, on va filmer tout ça. Ça c'est le premier. Il va prendre un tour aux autres. Allez, vas-y, fais-nous une petite figure. Yeah. Ouais, donc là on était sur les 125 de temps. C'est pas mal. Prochaine course, c'est les 250. Je sais pas si c'est 2 temps ou 4 temps, enfin on entendra au bruit. C'est peut-être un mix, je sais pas.
problème. Ça retombe loin. Son frein est bloqué, pauvre gars là. Bon bah là ça rigole pas, c'est la finale. Il y a d'autres potes qui filment, on va essayer de faire un multi-caméra. Faire un petit montage quoi. Allez, bientôt le départ. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. On va essayer de faire un petit montage là, avec tous les rushs qu'on a, avec les potes. Oh, allez. Il y en a peut-être qui vont se faire plaisir là. On va faire la petite figure pour le public. Allez, petite figure. Non. Non. Et ben voilà, ici s'achève cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Nous on a passé une bonne après-midi. Voilà, la course, la super finale est finie. Bon, c'était pas trop dans le monde du camping-car, mais comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le motocross c'est aussi du camping-car, parce que quand il faut se déplacer sur les courses, et ben on prend son camping-car. Donc le motocross et le camping-car, c'est un peu pareil. Voilà, bah, vous n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, hein, j'ai le soleil dans la tête, je ne vois absolument rien. Et puis, bah, à bientôt. Allez, ciao. Ah bah, il se met une petite bière, et bah, il a bien raison. Et bah, nous, on va faire pareil, hein, on va faire pareil. Ouais, ouais, allez. Fin de reportage. Ah, on s'abonne. Allez, et puis après, on va aller se coucher. Et vous n'oubliez pas de vous abonner et on lâche les pouces.